et donc tu as accepté de te faire violer. Et tu gagnais quoi? Il y a quel profit dans le monde spirituel? Tu gagnais quoi en faisant ça? Comment rien? Vous faites dépenser ton père. Toi, ton argent, il peut gâter son argent. Il ne faut pas que son argent reste, c'est ça? Et la suite, le plus, comment c'est passé? Ensuite, il fallait que. En fait, moi, j'ai vu que c'était un plan pour que. Là-bas, ce sont les plus. Okay. C'est leur territoire. Comment on fait pour m'attendre à votre de fusil? Puis quand c'est chercher, mais il fallait aussi que je me défende parce que je n'ai rien. Il a donné 2 millions au chef du village pour voir le courant. Les gens vont voir les juges, tout ça. Mais moi aussi, comme nous, on a pique. Donc, j'ai commencé à écrire à l'autorité. Puis, pour finir, il a pris 10 ans de prison. Donc, il a été arrêté. Il a été arrêté 10 ans de prison. Donc, actuellement, même pour prendre la bourse, même pour prendre parti, je ne peux pas. Parce qu'il me dit que ces gars-là, ils vont m'attendre. C'est Dieu qui permet que. Il faut que. Comment c'est le combat, même. Comme le pasteur Isaac aussi, je peux voir la ville en France qui nous soutient là-bas. Pour moi, c'était un combat spirituel parce qu'ils ont des fétiches, ils adorent, ils cogent les boutons, tout ça. Moi, il y a Jésus-Christ, moi, je suis le chrétien du village, en tout cas, pour moi, c'est pas facile. C'est pas facile. Il a dit que pour moi, c'est sa dernière chance. J'ai fatigué 7 ans. 7 ans que j'ai su. Non, depuis moi, les petits, mais c'est 7 ans que j'ai su. Depuis 7 ans que j'ai su. Depuis 7 ans que tu as su qu'elle est sorcière. Et elle n'a jamais été délivrée, c'est ça? Non. Comment tu as su ça depuis quand? 7 ans? Oui, il venait d'un voyage, je suis tombé en moto. Parce que c'est une moto. Je suis tombé, il m'a appelé, un de mes collègues, un doyen, un volontaire. En ce temps, là-bas, il y a des volontaires, mais tant qu'il est derrière la guerre, donc c'est nous qui étions là-bas. Et il faut dire à mon papa que pour moi, il est délivré. C'est bien à dire. Donc, c'est comme ça. C'est pas quelqu'un, c'est elle-même. Non, je demande, c'est elle-même qui vous a dit ça. C'est elle-même. J'ai fait des accidents, mais moi, la première fois que vous avez su, c'est elle qui est venue vous dire, qui a dit à quelqu'un, votre collègue, allez dire à mon père, et que je l'ai livré. C'est moi qui ai provoqué l'accident. Peut-être. Ok. J'ai pris une fois pour partir à Vavoie. C'est là, il y avait que Dieu s'est manifesté vraiment. Ma moto, parce qu'il y a un camp de prière. Il dit, bon, je vais amener dans un camp de prière. Je suis fatigué de l'envoyer dans les. Donc quand tu as su ça, tu l'as amené chez les gens à Bavois. Pour la désenvoûter. D'abord chez les vieux là. Mais chez les vieux là. Je ne peux pas faire quelque chose. Il faut de la vérité. En plus, on est au nord, il n'y a pas en train de tomber la pente de Ndiali jusqu'à Bavois. Imaginez la distance. On passe par Daloa, on passe par la chose. On prend tout le nord, descendre. Et c'est là aussi, ils m'ont attendu d'après elle. Ils m'ont attendu en route de fusil. Quand le plaid débat est exposé, le seul nom qu'il a dit c'est Jésus. Oh, il y avait une voiture derrière, il venait nous écraser tout à l'heure, il me suis retrouvé le ravin. Même pas un ravin, c'est un truc qui nous a bloqué, mais il ne faut pas qu'on tombe. Donc elle m'a dit, ça après dit à sa maman, ma femme, que non, c'est le nom qu'il a dit, sinon il était déjà parti. Au retour, même dans mon punais, c'est déconsolé. Ça c'est déconsolé, moi je comprends rien. En tout cas, vous m'avez traversé des prisons très difficiles. Elle a mis 2 de ses qui disent. C'est pas le seul, mais c'était 2. En fait, 4. 4. Allez, tu es entouré de petits sur manger d'âme. C'est eux, par grâce de Dieu, vraiment, ils ont été. Dieu a permis qu'ils vraiment ils puissent s'en sortir. Depuis petit marché, même la chair humaine, et puis c'est passé. Parce que j'ai vu un homme de Dieu, un prophète, qui m'a donné 3 jours de jeûne à une sainte. Je suis venu, j'ai fait les 3 jours. Donne lui et puis son petit frère. Son petit frère, lui, c'est ma. Vraiment, vous m'excusez si je parle ici un peu long. Non, mais c'est très important de consacrer vos enfants. Quand vos enfants sont nés là, allez les consacrer à l'église. Parce que j'ai ceux qui sont consacrés là sont eux qui sont sortis vite dedans. Ils sont vite sortis dedans. Sinon, elle n'est pas consacrée. Malheureusement, sont eux qui sont restés. Puis quand l'enfant faisait la diarrhée, les deux faisaient la diarrhée, elle est retournée encore, m'a dit, m'envoûtait encore derrière la maison. Et l'autre, il a chier, humaine, il m'a dit, la grand-sœur aussi, c'est la même chose. Donc,
sont aidés. Vraiment, c'est un livre, mais c'est pas, il est trop long même à vous expliquer. Il m'a laissé comme ça. C'est trop long même. C'est trop, trop long à vous expliquer. Ce qui s'est passé, vraiment, tout ce qui est demandé, puis tu, vraiment, la pitié de moi. Oui, c'est ça. Vraiment, dans le VPS, ma première fille. Okay. C'est ma première fille, vraiment. Disant, c'est ce qu'on aime là. C'est ce qu'on aime à ce qui veut dire. Ça veut dire que ton papa t'aime beaucoup. Ok. Bien. Ta mère, tu vas la lâcher, c'est ça? Mets-toi là, mets-toi là. On est à plus d'une, c'est ça? Il y a quoi? T'as dit que tu peux plus me prendre des armes. On fait comment? Les sorcières. Tu es plus fort que Jésus.
C'est ta mère. Oui. Lazare, c'est qui? Le petit à mon mari. Le petit quoi, ton mari? Tata, tu m'envoies toujours. T'allais prendre l'argent. Tu me donnais l'argent. Et puis, tata, tu m'envoies toujours. T'allais prendre l'argent de mon papa. Et puis, pour pas que mon papa. Tata, tu as fait que mon papa ne reçut pas. Et puis, tu as fait que. Moi et puis mon frère, on en parle toujours, on en parle. Et puis mon frère aussi ne garde pas de moyens à l'école. Et puis tu as fait que tu as mis une maladie sur moi. Et puis tu veux pas que je réussisse. À chaque mois, je pique des crises. À chaque mois, je pique des crises. Et tu as gâté aussi mes yeux. Tu as gâté aussi mes représentants. Laisse-moi, je préfère la mort. Je vais me tuer en même temps. Laisse-moi, je vais me tuer. Laisse-moi. Je dis, laisse-moi, je vais te gifler. Moi, la flamme, et puis toi, on n'a pas fait, c'est pas fait des. Tu brûles, c'est pas bon pour rien, tu fais, hein. Je te gifler, hein. Tu me connais. Laisse-moi. Est-ce qu'il me connaît? Tu fais tes garçons. Attends, laisse-moi. Laisse-moi. Je suis la soeur. Si les garçons n'ont pas fini, je pense qu'il peut faire mal à moi. Viens. Oui, on va s'engager. Et puis tu as gardé mes verres là. Comment? Ça fait qu'il ne voit pas clair. Comment? Tu ne verras plus clair. Tu ne pratiqueras plus la sorcellerie. Tu mets la mauvaise pensée dans ma tête. Allez! Allez! Et je vais me tuer. Allez! Laisse-moi, je vais me tuer. Lâche sa vie! Si elle laisse la vie, elle va partir où? Je vais aller où? Tu vas dans la mer. La mer, tu veux que personne n'a pas me manger ça. Je veux pas que personne me mange. Je veux plus partir. Non. Comme ma fille Micheline qui vit là, je veux vivre comme elle. Il faut la laisser. Laisse-la. Et puis c'est. Laisse-la. Tout. Je veux que me viennes dire la vérité. Oui. Tout. Tous mes neveux, j'ai fait que je ne veux pas qu'ils réussissent. À cause de ça, d'autres cherchent travail, ils ne gagnent pas. À cause de ça, d'autres cherchent aussi, va à l'école, ils ne gagnent pas de moyens. C'est toi qui as la base de ça. C'est moi Lazare. Tu ne peux pas t'essayer de gifler. Tu fais pour rien, tu fais là. Pointe-toi, des mots comme ça. Alors ça dit que tu pries. Je t'ai gifler. Attends, ma main là, tu sais combien de mecs qui est dans ma main. Non, mais laissez. Il veut se battre avec moi. Le feu sur toi. Lazare, je mets le feu sur toi. Attends, je vais me réhabiller. Lâche-toi pour rien maintenant. Où tu as passé pour brûler la carte? Je mets le feu sur toi. Tu as mis le feu sur toi-même. Je mets le feu sur toi. Je vais te chiffler. Feu consume tes œuvres. Tu m'attends? Feu! 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 Allez, la paix d'abord, je veux pardon! Feu! Tu as vomi, pardon! Feu! Au secours! Feu! Feu! Pardon, vous m'avez la main de ma cojo! Feu! Feu! Vous pouvez me tuer! Feu dans ta gorge, hein? Si tu me dis là, c'est pas bon. Ah. Si c'est comme ça, je vais aller chercher mes neveux en même temps. Tu as pourquoi tes neveux? D'autres ne vont pas avoir travail. Ils vont pas avoir travail. Mets le feu dans ta bouche. 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 Feu. 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 Lâche-la. 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 Non, le sable d'abord, le sable. Non, laisse-la. Feu. 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 Comment? Il n'aime pas venir pour prier. Je ne suis pas dit que. Je suis le feu de délivrance.
Feu! Mets-toi à genoux. Tu vas la lâcher. Lâche-la. Pousse-la, pousse-la. Repousse-la là-bas. Parce qu'elle a. Repousse-la là-bas. Allez, quitte sa vie maintenant. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Libère-la. Tu vas la libérer. Libère-la. Enlève les mauvaises pensées dans ma tête et délivre-moi. Enlève les mauvais esprits de la sorcellerie sur moi. Et enlève tous les démons de la sorcellerie. Et tout à chaque moment. Le feu. Le feu sur toi. Libère-la. Libère sa conscience. Libère son subconscient. Je ne vais plus lui donner à manger en dormant. Elle mange le riz avec le poisson. Et puis toujours, on lui donne à manger. Lâche-la, tu m'entends? Mais elle ne veut pas manger, elle pique des crises. Lâche-la. La sorcellerie. On veut gâter aussi ses yeux. Si elle veut tomber, si elle a mal à la tête, moi de tête. Lâche-la. Fais sur toi. Fais. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Feu. 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 Allez. Bon, monsieur, c'est passé. Consume tes œuvres. Lâche-la. Lâche-la. Tu vas libérer son âme. Tu vas libérer son âme. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche son esprit. Lâche son âme. Maintenant même. C'est un ordre. Maintenant même, c'est un ordre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Madame, ça va chez vous? Ça va? Ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant? Qu'est-ce que... Ok. Donc, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant que tu arrives maintenant à faire? La nuit, la nuit. Marche un peu. À la pause. Consume tes œuvres et tu lâches totalement sa vie maintenant. Libère-la au nom de Jésus.
Lâche-la. Le fait consume tes œuvres. Va-t'en. Va-t'en. Fais sur toi. Va. Lâche-la. Lâche-la. Ce corps ne t'appartient plus. Oui, lâche-la. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Envoyez un paille pour attacher les filles. Eh, où sont? Tu viens de la puger. Comme! Va-t'en. Va-t'en. Lâche ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche ta vie. Lâche ta vie. Lâche ta vie. C'est pour ça que je suis fatigué là, je n'ai pas les yeux. Je reste jusqu'à 2-3 jours. Oui, c'est à cause de vous êtes. Je l'ai vu. Et si je vais, j'oublie de chasser les démons. Aïe, quand il voit des démons, il chasse. Les démons doivent chasser. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Comme! Ceux qui sont malades qui commencent à se lever. Ceux qui sont malades. Venez avec.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est arrivé de plusieurs. Elle a un vieil esprit de la sorcellerie. Vous prenez après le dossier en main tout à l'heure. Les appels. Cela a touché votre tête, vous êtes malade. Touchez cette malade, vous êtes malade. Mettez la main sur votre tête. Le Saint-Esprit vous visite pendant que vos mains sont posées sur vos têtes. Recevez la visite du Saint-Esprit. Que Jésus te guérit. Jésus te guérit là où tu es arrêté. La main de Jésus qui vous visite. Je chasse la maladie. Je commande la maladie de partir de maintenant même. Je commande la maladie de partir de maintenant. La maladie disparaît. Je maudis la présence de la maladie dans ton corps. Je maudis cette présence de la maladie. Et la puissance de Dieu te guérit là où tu es arrêté. Et reçois la guérison. Reçois ta délivrance. Jésus te guérit. Encore sur le dossier, amen. Je vais finir de recevoir et nous allons beaucoup prier tout à l'heure sur les malades. Amen. Voilà, que Dieu fortifie. Appelle-moi la suite, ta peine est partie. Monsieur Gaïa, comme un peu Gaïa, d'abord il est en manteau, c'est un manteau noir et qu'elle a levé le manteau, vous l'avez nu. Monsieur Gaïa, tu es venu, tu as plongé ta main dans ton corps. Elle a levé la main, le lieu sans cargaï, et après c'est levé comme des pièces en or. Au fur et à mesure, tu dégradais, tout ton corps est tombé comme ça, comme un trou.
sacrifice pour ton dédié à des dieux. Je commande à cette puissance satanique et démoniaque. Je lâche ton âme. Je lâche toute ta destinée et de te libérer pour la puissance que nous sommes aujourd'hui. Lâche. Maman dans la vie, tu n'as jamais reçu. Même si on te donnait des milliards, jamais. Mais Jésus va te guérir. Tu n'as qu'à marier même avec quelqu'un que tu aimes, de plus à la personne telle, mais ça ne va jamais aboutir à quoi que ce soit. S'il y a un esprit, ils t'ont dédié à un Dieu. Je te sépare avec cet esprit. Dans le nom de Jésus. Je suis le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ok, tout à l'heure.